Joseph, comment tu abordes ce match contre Bjaska Tichino Rocket? Un match, on va le dire comme ça, c'est simple. Aujourd'hui, il faut gagner. Nous avons gagné tous les matchs. Maintenant, nous sortons de plusieurs matchs à l'extérieur où nous avons beaucoup perdu, malheureusement. On en a parlé dans le vestiaire avec les entraîneurs. Nous savons ce que nous avons à faire, montrer que nous sommes les plus forts à la maison. Samedi, à la Chaux-de-Fonds, ça a été un gros match. Malheureusement, une défaite à la clé. Quel regard tu portes sur ce match? À la fin, ça a été une bonne grosse guerre. Nous sommes revenus dans le match, même si nous étions menés 4-1. On n'a pas baissé les bras, on a montré notre caractère. On a continué à se battre. Je crois que c'est important. Dans cette équipe, on a vraiment un super groupe, une bonne mentalité. Le classement actuel, Joseph, on va dire qu'il n'est pas vraiment conforme aux attentes. On est sous la barre. Qu'est-ce que ça vous inspire? Tout le monde regarde le classement, nous aussi bien sûr, on veut toujours être les meilleurs. Comme je l'ai dit, je suis convaincu que nous avons les moyens de faire beaucoup mieux et que nous allons rapidement remonter jusque tout en haut. La recette, Joseph, la recette pour gagner face à Bjaska Tichino Rocket. Simplement travailler dur, proposer un jeu simple, rentrer fort et physique dans la rencontre, montrer un bon esprit positif, montrer à notre public surtout ce que nous valons. Ce sera un gros match, c'est ce que j'ai envie de montrer au public. Joseph, on vous sent bien, toujours heureux ici à Martigny? Bien sûr que je suis heureux. Je suis quelqu'un de très positif. J'aime jouer, j'aime la vie. Maintenant, ma famille est ici à Martigny. Elle est très bien ici. Je suis heureux. J'aime beaucoup, beaucoup cette ville.